Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Non mais parfait. Vraiment, faut que je joue sur la console et pas sur le PC. Au moins sur la console, il y a tout qui marche. C'est parfait. Bon, bah, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Que le week-end s'annonce sous de radieux auspices, même si dans certains endroits les orages vont débouler. Moi j'ai passé une semaine assez fatigante, je dois avouer. Voilà, parce que j'ai cumulé quand même les heures et les heures de nuit. Hein. Pour vous dire, j'ai fini mes 39 heures que je dois faire dans la semaine, je les ai finies à 10h30 ce matin. Voilà. Donc une semaine bien remplie et bien fatigante avec trois sorties nocturnes, hein, donc des retours à 3, 2 ou 1h du matin, hein, ça va varier. Voilà, voilà. Donc on va continuer ce Tomb Raider, hein, Shadow of the Tomb Raider, qui est le troisième de la série, et on s'était arrêté la dernière fois au niveau d'un tombeau. Alors, d'après Xian, ça va être pourri. C'est un tombeau bien chiant. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, depuis dans la semaine dernière, là, quand on se fait attaquer par les espèces de loups, il dit « Ah, des dolls, des dolls, des dolls !» Non. Le doll, c'est un chien en Inde. Ça, c'est ce qui nous bouffe à chaque fois, c'est un loup à crinière. Mon cerveau, il a complètement squeezé les deux bestioles. Alors, faut savoir si mon cerveau, il s'est peut-être embrouillé un peu. C'est aussi parce que je connais un peu les familles de loups. Parce que comme je suis fanat de loups-garous, j'avais voulu faire un truc il y a quelques années. Et donc, je m'étais renseignée sur un peu les variétés de canidés, de trucs comme ça, quoi. Donc, ces deux bestioles étaient sorties dans les recherches que j'avais faites. Et je trouve que ce sont deux bestioles très sympas. Alors, je retrouve comment on joue. Ça, c'est des flèches, ça c'est je me soigne, ça c'est je tire. Alors, je pourrais traverser avec le pendule. Alors. Alors, je ferme le bousin. Moi, il faut que je cours. Je pourrais traverser avec la pendule. Il faut que je sois précise. Ouais, et... Pourquoi il repart pas? J'ai pas tout compris. Ah putain, je vais encore passer 3 heures à essayer de comprendre. Je pourrais traverser avec le pendule. Faut que je laisse un minimum ouvert pour que ça bouge un peu. Je pourrais traverser avec le pendule. Non, il a toujours pas bougé. Je sens qu'on va mourir souvent. Xian, tu comptes, tu tiens un compteur de mort. Non, il bouge toujours pas. Toujours pas non plus. Non, 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 non! Et manger tout cru! Ça commence!
On a commencé à jouer il y a 2 minutes. Je suis déjà mort. Non mais... Il faut que je sois précise. Avec ce levier rotatif, je pourrais ouvrir les volets et éteindre le feu. Non mais... Lâche, 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 lâche! Sérieux? Est-ce que je peux sauter là comme ça peut-être? C'est mieux comme ça. L'araignée. Je dois faire monter le pendule au maximum. Qui va finir dans le trou? C'est Bibi. Xian, tu comptes pas les morts là. T'abuses. Je peux me servir du deuxième pendule pour dégager le passage. Genre Xian, tu bosses, non mais c'est ça, c'est à d'autres. Pour dégager le passage. J'étais sur la plateforme, putain! Pourquoi elle a sauté à côté? Non, non, mais... Sérieux? On est d'accord qu'on avait 200 mètres et je suis mort deux fois. Putain, j'aurais dû m'acheter. Je dois faire monter le pendule au maximum. C'est quoi qu'elle appelle faire monter le pendule? Je peux me servir du deuxième pendule pour dégager le passage. Je dois fermer les volets pour empêcher le vent de souffler.
Je dois fermer les volets pour empêcher le vent de souffler. Ça me rappelle le tombeau dans le dans le premier Tomb Raider. Il y a aussi un tombeau des vents ou un truc comme ça. Non, non. Je pourrais accrocher les deux pendules ensemble. Je pourrais accrocher les deux pendules ensemble. Les deux pendules ensemble, ouais. Là-bas. Je pourrais accrocher les deux pendules ensemble. Quelque chose le maintient. Je pourrais accrocher les deux pendules ensemble. Il faut plus de puissance. Je pourrais accrocher les deux pendules ensemble. 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 Ah, peut-être comme ça en fait. Hop. Là. Maintenant, je dois faire bouger l'autre pendule. Il faut que je revienne faire des allers-retours. Ah putain, j'ai failli tomber dans le trou. Si j'ouvre les volets, les pendules devraient bouger et détruire ce qui bloque. Ferme bien le volet. Ouais. Je peux utiliser le dernier levier pour ouvrir les volets et éteindre le feu. Hmph!
est temps de filer. Bon, il était un peu relou ce tombeau, mais il était pas si terrible que ça. En vrai, dans les tombeaux d'Assassin's Creed, je chie trois fois plus là. T'as les tombeaux dans les espèces de cathédrales là où faut monter sur 250 millions de trucs. Et comme vous l'avez vu, la vision dans l'espace, dans les jeux vidéo, n'est pas ma spécialité. Donc j'aime bien les jeux comme ça, où il y a quand même un peu de plateforme et tout ça, c'est pas que j'aime pas, au contraire j'aime bien, mais voilà, comme j'ai ma vision dans l'espace qui est un peu caca, ben voilà. C'est pas toujours très cool. J'ai une compétence! Ou pas. Non, j'ai 0 point de compétence, alors pourquoi il me fait un... Ah, c'est peut-être qu'il y a des trucs... Ok, c'est directement. Cool. Bon, alors maintenant c'est Peque. J'ai vu, il y a un passage là. Ah, il y a un mur, ok. J'ai pas vu. Ah non, j'aime pas quand ça glisse. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. En fait, Tomb Raider, c'est une expérience de bloc version grandeur nature. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le bloc, c'est une forme d'escalade où, en fait, le but, c'est pas forcément de monter très haut, hein, comme l'escalade qu'on a l'habitude de voir avec Baudrier et compagnie. Hein. D'ailleurs, dans l'escalade en bloc, ben, il n'y a pas de Baudrier, il n'y a pas de sécurité que dalle. Le principe, quand tu juste à monter un mur qui fait 4 mètres de haut avec un parcours, on fait un manu quoi, pépouze. C'est vachement cool. Il n'y a pas besoin, c'est un sport qui se pratique en salle tranquille. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de certificat de santé ou quoi que ce soit quoi. Vous y allez, vous payez la salle, vous payez la location de chaussons d'escalade. Et vous pouvez escalader des blocs comme ça, tranquille. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Moi, j'en fais là depuis pas si longtemps que ça. Parce que avant, là où j'habitais, j'en avais pas. Et j'en avais déjà fait avec des potes en France et en Allemagne. D'ailleurs, c'est en Allemagne que j'ai découvert cette activité. Hein, grâce à Yumi, c'était cool. Alors, est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille ou par l'autre côté ? Oh non, pas encore un tombeau. Non, 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 je voulais pas glisser. Non.
Donc voilà, et donc là où j'habitais avant, bah, il n'y avait pas de salle, donc j'y allais pas. Et là, je suis revenue dans une ville où il y en a, et donc j'y vais. Et je vais où là? Face. Donc voilà, donc c'est super cool. Et là, il y a les Jeux Olympiques qui ont commencé. Et maintenant, l'escalade est aux Jeux Olympiques. Donc aux Jeux Olympiques, c'est pas que du bloc, hein, c'est une combinaison. Entre l'escalade classique, hein, le bloc et la vitesse. Et franchement, la vitesse en escalade, c'est assez impressionnant. Donc, je vous conseille de vous renseigner et vous allez voir, c'est super cool. Ça va vous occuper pendant un moment. Pas tourner en rond. Si, en fait, on est carrément d'accord que j'ai carrément tourné en rond, là. On est carrément d'accord, j'ai carrément tourné en rond. Tu vas monter droit. Si vous te motivez, Xian, allez, allez. Par là, et donc là c'est un autre tombeau, c'est ça. Non, je comprends rien. Tout est plein, je peux plus rien prendre. J'ai à peu près rien compris. Bon, bah on va aller là, hein.
Wow. Bon, elle est où la sortie de Dieu? Mais c'est pas possible, je vois pas la sortie. Je comprends rien du tout là. Je suis complètement perdue. J'ai rien compris à ce que je suis allée faire là-bas en fait. Je comprends pas ce dialecte. C'est sûrement que j'oublie quelque chose. La guédou, la guédou, la guédou, Jonah, la guédou. J'ai trouvé des ruines Inca, mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes. Oui. Abby se rappelle où elle a vu ce symbole. C'est quelque part à l'intérieur du temple. Super. Dis-lui merci de ma part. Je t'entends. Tu peux me remercier en cas... J'arrive tout de suite, Lara. Ah bah il est arrivé vite. Ça semblait plus grand vu de l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait? Jonah, regarde. Ishel et Shekshel. Les jumelles se retrouvent. Et quand on se retrouve, c'est l'apocalypse. Qu'est-ce que c'est? Lara. Mais... Quoi? Abby a dit qu'on devait rien casser. Je casse rien du tout. Je restaure l'original. Quelqu'un a tenté de le dissimuler. Ah.
Les jumelles se retrouvent avant de suivre la voie des vivants. Quelqu'un y a touché. Comme cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y, je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée. Le chat, tu viens? Les jumelles, la vie et la mort. Wow. Jonah, j'ai trouvé un temple. Sans déconner, t'étais pas dans un temple déjà? Ouais! Les trinitaires sont déjà là, ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. Visiblement, on peut pas vraiment faire une marche arrière. Bien, appuyez sur machin. Faire un son de l'ange et résultat, l'autre elle me balance à grappin, non mais. Les drones étaient super lourds, bizarrement. Ou pas, le bateau a l'air ok. Content de vous voir. On a un problème. Le générateur encore ? C'est bon. Allez, pointe ton cul, putain. Putain. Putain, mais elle fait quoi là ?
Sérieux ? J'ai pas assez de place pour ça. La promesse de Dieu à Noé de ne plus jamais détruire le monde tient peut-être du fait que le Seigneur considérait que l'humanité avait appris sa leçon. Mais est-ce vraiment le cas ? Cet épisode peut également être compris d'une autre manière. Dieu a mis sa puissance Oui, Dieu, il va se faire cuire la nouille, hein ? Plein. Je peux plus rien prendre. Lara, est-ce que ça va ? Oui, il y a une base des Trinitaires ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, j'arrive pas à lire. Deux points, on peut pas. Un point de compétence, on a déjà. Ça, hein. Alors, est-ce qu'on peut faire des améliorations dans l'inventaire ?
Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Tu sais pourquoi on verrouille tout comme ça? Que le commandant rire, c'est tout le périmètre. Personne entre, personne sort. J'avais compris, du con. Je te demande pourquoi. C'est trop classifié pour moi. Les éclaireurs seront là. Rapport sur les activités à l'attention du docteur Dominguez. Site des fouilles. Rivière Marazuni, Guyana. 5.816.587 -59.468.158. Avons découvert des éléments confirmant l'hypothèse de la migration des Mayas. Les recherches ultérieures n'ont en revanche rien donné. Mesure prise, le site a été englouti en détournant le cours d'une rivière. Avons éliminé la main-d'œuvre recrutée localement. Avons fait disparaître toute trace de notre présence. Divers, soulèvement dans un village voisin, solution radicale nécessaire, zone isolée, site englouti, tout semble être d'origine naturelle. Avons propagé... Sympa. En venir, ici le commandant Rourke. Vous avez bouclé la zone ? C'est presque fait. Tous les points d'accès sont couverts. Et la plupart des barricades sont en place. Presque, c'est pas assez. Dépêchez-vous de sécuriser le périmètre. Je veux que rien ne puisse passer. Compris, chef. Si vous me permettez, chef, qu'est-ce qui se passe ? Les éclaireurs sont en route. Rourke, terminé. Merde. Non mais j'y crois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, viens par là, putain, que je t'éclate ta gueule. Faut qu'on reste optimiste. Ils sont peut-être pas morts. Merci de me laisser tout le boulot, sale glandeur. Viens. Et bien là, Coco. Séparez-vous. Restez vigilants. Je devrais regarder ça de plus près. Vérifie ce qui se passe. Thank you.
bloqué. On n'a plus qu'à attendre l'équipe de reconnaissance. Pourquoi c'est un peu bizarre, toi? Il s'est passé un truc sous terre, mais on se retranche pour combattre une menace ici. Ça a l'air assez classique. S'ils ont eu un problème, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais bon, tu vas pas me l'étendre. Ouais, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout. On s'excite pour rien depuis cette horrible tempête. J'ai vraiment horreur de cet endroit. On dirait une ville fantôme. C'est n'importe quoi. Quelqu'un se fout de notre gueule. Et on a peut-être déjà perdu des hommes à cause de ça. Du calme. Si on avait besoin de savoir un truc, quelqu'un nous l'aurait dit. Abattez tout ce qui bouge. Je suis là. Ça, j'ai bien aimé. Faut que je regarde ça de plus près. Avec moi, surveillez tous les côtés. Elle est forcément dans le coin. Rien en visuel. Et de ton côté? Merde, c'est pas là que je voulais aller. Ça, on en reparle. Moi, j'ai manqué un peu de subtilité, j'accorde. Jonah, le commandant Rourke est ici, au Pérou. Il a demandé aux Trinitaires de surveiller un site de fouille sous un vieux puits de pétrole. Tu vas aller jeter un coup d'œil? Oui, je vais voir ce qu'ils ont trouvé. Rourke était à Cozumel quand Dominguez a pris la dague. Ils ont dû découvrir comment accéder à la cité perdue. Ah, mais j'aime bien, moi, la subtilité. En vrai, j'aime bien essayer de les claquer de façon subtile et tout ça, mais bon... Ma patience, des fois, hein. Mais en vrai, j'aime bien les claquer, ouais. J'aime bien les claquer discretos et phares. Ça présage rien de très bon. L'attention du docteur Dominguez. Avons peut-être découvert l'entrée du temple non loin de Kuwakiaku. Les équipements de fouille sont en chemin. On
On est d'accord, c'est pas hyper rassurant d'avoir un stock de munitions et tout ça. Jonah, je suis à l'intérieur du temple. Je crois qu'on a aussi trouvé un truc. Des chiffres. Je vais essayer de nettoyer ça. Les chiffres Ishel sur la gauche, chaque shell sur la droite. Je dois ouvrir les portes pour trouver d'autres symboles. Ok. On va de l'autre côté. Je dois faire correspondre les symboles sur les piliers à ceux des murs. Merde, j'en étais sûre. Un cheveu. Je dois faire correspondre les symboles sur les piliers à ceux des murs. Je dois faire correspondre les symboles sur les piliers à ceux des murs. Je dois faire correspondre les symboles sur les piliers à ceux des murs. Trois, un, cinq, six, sept, huit, et deux tranches de lard. Thank you.
On a dit deux tranches de lard. Et... bah, ça devrait être ça. Encore une porte. Ça doit cacher quelque chose. Deuxième machin maintenant. Tatane. Okay. Hop. Et c'est bon. Alors, je vais me courir. Hé, hey, Jonah, comment ça se présente? Encore! Une date incomplète et une représentation de chaque shell. J'ai deux dates ici. Et Ishell. Je crois que j'ai vu la date de gauche quelque part. La photo de Cozumel. Il y a peut-être un indice. Dans le compte long, le calendrier Maya, à chaque date étaient associés 5 chiffres. Celui-ci a été modifié pour ressembler au nombre 13, mais il s'agit en réalité d'un 8. La différence étant de 2000 ans, les constellations se trouveraient donc dans une toute autre partie du ciel. Par conséquent, l'étoile nous dirige vers l'ouest, quelque part au Pérou. J'ai pas compris. Faut que je fasse quoi? J'ai pris une date en photo au Mexique. Je devrais l'examiner. En bas? Oui, c'est ça, c'était bien le chiffre 8. 5, 6, 7... La photo de Cozumel. Il y a peut-être 5, un indice. 6, 7, 8. Oui, d'accord, je sais qu'il y avait un truc entouré. Il y avait un 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire une barre et 3 points. C'est 8. Il n'y a pas 8. Regarde. La photo de Cozumel. Il y a peut-être un indice. Je comprends pas. J'ai pas compris. Alors attends, comment on fait pour aller voir mon machin ? Comment on fait pour aller voir l'indice? Dans le compte long, le calendrier Maya, à chaque date, était associé 5 chiffres. Celui-ci a été modifié pour ressembler au nombre 13, mais il s'agit en réalité d'un 8. La différence étant de 2000 ans,
Les constellations se trouveraient donc dans une toute autre partie du ciel. Elle est de gauche. Par conséquent, l'étoile nous dirige vers l'ouest, quelque part au Pérou. Le dernier chiffre sur le pilier gauche, le dernier chiffre sur le pilier de gauche est un zéro. Ok, Jonah. C'est quoi le dernier chiffre pour chaque shell ? Une ligne en travers, deux points en haut. 7, je dirais. Merci. Oui, alors, je sais compter en Maya parce que je sais qu'un point, c'est 1 et qu'une barre, c'est 5. Ça, j'ai appris ça il y a des années pendant ma période passion Maya. Je te vois là. Ce qui fait aussi, au final, un système assez simple pour compter, hein. Non, moi, le savoir compter Maya, c'est pas en jouant en jeu vidéo, hein. Je savais déjà ça, j'avais lu ça dans un grand bouquin sur les Mayas qu'on avait à la maison. Chez les Mayas, le mot Balam désigne le jaguar, animal sacré à leurs yeux de par sa beauté majestueuse et sa grâce inquiétante. Bah après, j'avais trouvé que c'était un système assez ingénieux pour compter, quoi. 1, 2, 3, 4. À la nuit tombée, pour compter, enfin, avec des points. Quand t'arrives à 5, tu fais une barre, et puis t'additionnes comme ça. Allez s'asseoir près des Akentun, tandis que le cinquième est plus. Je trouvais ça plutôt ingénieux, en fait. Jonah ? Salut, Lara. C'est Abby. Ah, salut Abby. J'ai trouvé une fresque. On dirait que ça représente une sorte de voyage. Entrer dans la gueule du jaguar. Coucou, j'ai trouvé une fresque où il y en a partout dans le temple. Vers un œil d'argent. Et puis on voit aussi une araignée. Et un aigle qui s'envole vers un temple. Ok, je sais pas pour le reste, mais la gueule du jaguar, c'est par ici. Vraiment ? Ouais, une sculpture de chat avec de grandes dents. Ah, voilà Jonah. Lara, est-ce que ça va ? Oui, je ressors là. Parfait. Je crois que tu vas aimer ce qu'on a ici. Ça décrit quelque chose de proche. Deux gardiens ont des crocs. Deux gardiens ont des pieds. Un gardien a les deux pour mieux me protéger. Je sens que ça va être la merde. Intéressant. Pourquoi j'ai pas confiance là ? Aiguille ! Sur une branche utilisée, elle fait du grappin pour tuer. Oh, cool! C'est un croquis sommaire représentant un temple qui s'élève au milieu d'une ville. De loin, il ressemble un peu à un serpent. Petit chat, viens là. C'est de l'eau qui est en bas ? Oh putain, il y a des piranhas.
Ah! Mais non! Mais en vrai, c'est n'importe quoi! En vrai, on se fait pas bouffer par les piranhas comme ça, putain! Putain, mais c'est bien du mythe occidental, ça, mais va te cacher, putain, connasse! C'est bien du mythe occidental en manque de sensations, ça, les piranhas qui te bouffent comme ça. Aïe, Toto! Putain! Non mais en vrai, comment je fais pour m'en sortir? Là, il y en a partout. Plante-toi. Ouais. C'est à peu près ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, me planter, mais à part ça, tout va bien. En vrai, là, je sais pas du tout où je vais. Je sais même pas où faut que j'aille, rien du tout. Je suis complètement perdue. Ok, je vais pas du tout dans la bonne direction. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. J'ai rien compris. Franchement, c'est abusé là, les piranhas comme ça qui te voient et qui viennent te bouffer.
Surtout que là, dans l'eau, comme ça, en termes de maniabilité, il n'y a pas grand-chose. J'ai du mal à comprendre où est-ce qu'il faut que j'aille, ce qu'il faut que je fasse. C'est carrément relou. Ben oui, il faut que je puisse respirer. Ben oui, mais bon. Mais c'était pas une mince affaire. J'ai oublié plein de trucs dans l'eau. On va tenter. Hein. Je préfère les trucs sur la terre ferme, quoi. Hey, fais pas ça. Désolé. D'où t'en es tiré? Ça, j'en sais rien. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ce texte a été rédigé vers le milieu du XXe siècle par un explorateur qui cherchait une cité perdue. Ayant découvert un petit comptoir tenu par une femme appelée Kama, non loin du campement, il lui demanda si elle connaissait des légendes qui pourraient l'aider à retrouver cette cité. Lorsqu'il a écrit ceci, il était à l'article de la mort, convaincu qu'elle l'avait délibéré. C'est ballot. QG, ici l'équipe au micro, on est attaqué. QG, répondez. De nouveau. Silence, faut que je me concentre. Sur une branche m'attenait QG, on a besoin de renfort. C'est urgent. J'espère qu'on n'est pas les seuls, grand. En toute discrétion. Dis-moi, tu serais pas un peu nerveux, Coco? Vous m'aurez pas. Allez, pointe ton cul. Où vous êtes? De quoi ont-ils peur comme ça? Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas mon ami.
dis-nous ce qui s'est passé. J'ai juste vu des griffes. Des dents. Ça va nous aider. Eh, un peu de tac, tu peux. Ils ont attaqué. Ça criait. Les dents. C'est fini. T'es sauvé. Je vois encore. Bon, tout va bien. On doit juste tenir le coup jusqu'à l'arrivée des renforts. J'ai pas de bouteille, j'ai rien pour essayer de les... Elle est bien par là, ta mère. Bien. On se disperse. Tirez à vue. Je couvre le flanc vulnérable. Faut que je regarde ça de plus près. Cible retrouvée. Putain. Putain, mais sérieux, je les vois pas, les gars. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Elle avait la chance de capituler. Oh, je vais crever, je vais crever. Arrivée imminente. Arrêtez de tirer. En garde en vue. Tire dessus. On y est. Encore 60 secondes et on entre. C'est plein. Je peux plus rien prendre. C'est quoi ces créatures ? Il y a forcément une sortie. Peut-être en remontant par où ils sont venus. La yadou, la yadou, la yadou, la yadou. Mon Dieu, tous ces cadavres, les victimes des créatures. Mais pourquoi ? Jonah, Abby. Oui, Lara, je t'écoute. J'ai vu quelque chose. Les Trinitaires sont pourchassés par des sortes de créatures bizarres. Quoi ? Elles sifflent comme des serpents et vont très vite. Lara, on dirait la légende de Pishtako. Tu nous fais marcher ? Non, juste... Rapport et résultat, qu'est-ce que j'ai vu ? Tu vas bien ? Oui, je rentre là. Tu sais, j'aime bien, elle est là, oh, c'est horrible, c'est plein de cadavres et tout ça. J'ai tué combien de mecs depuis le début du jeu, en vrai ?
Parce que sérieusement, depuis le début du jeu, j'en ai buté un paquet de pingouins, hein. J'ai pas assez de place pour ça. Donc honnêtement, elle peut dire ce qu'elle veut, hein, mais... On en a tué aussi un paquet de pingouins, hein. Ok, est-ce que ce monolithe là, je peux... Bon, fallait, je peux pas aller le voir maintenant. Ah, mais par contre, j'ai des compétences. Alors, est-ce qu'on peut faire des améliorations? Non, je suis à donf. Hop, précision. Cadence de tir. Hop. Et là, on peut plus rien améliorer. Je sais pas si t'avais vu la dernière fois, Xian, mais t'as vu, j'ai débloqué plein de tenues. Et j'ai même... Je peux même jouer avec une vieille Lara. Tu les avais eu aussi? C'est rigolo. Alors, c'est quoi ça? Acquise. Ok. Alors... Oh, j'ai trois machins. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est bien. Et maintenant, de toute façon, j'ai plus qu'un point, donc à mon avis... Ah, on va prendre celui-là. Ça peut servir aussi. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir parce que ça fait une bonne heure et demie que je suis en train de jouer. Je commence à fatiguer. Bah écoutez, la semaine prochaine, il n'y aura sûrement pas de live parce que je serai en vacances et que je serai avec ma maman. Donc, pas sûr qu'elle ça lui plaise que je me colle devant les jeux vidéo pendant qu'elle soit là. Ah bah oui, Mini Clio, t'arrives au pas. Je suis désolée, Mini Clio. J'arrête. J'arrête pour ce soir. Je suis. Ouais, la Blairelle, elle joue à 21h souvent et moi je commence à 20h donc voilà. Non mais Mini Clio, c'est vrai que c'est dommage, c'est vrai que comme la Blairelle elle stream plus tard en général, comme t'arrives vers 21h c'est bon quoi, mais quand c'est avec moi c'est un petit peu plus difficile. Bah écoute Mini Clio, je te souhaite une bonne soirée.
Et puis, bon, écoute, comme je disais, je suis pas sûre qu'on se retrouve la semaine prochaine parce que je serai en vacances avec ma maman, donc ça va pas le faire. Mais écoutez, peut-être demain ou ce week-end, peut-être un live sauvage, je sais pas, on verra, ça va dépendre de mon état. Bah, sur ce, mini Clio, je te souhaite une bonne soirée et Xiane, à plus. Allez, bisous bisous!